Avant vraiment d'avoir un métier, j'ai eu une formation monitorat pour enseigner l'équitation. Différents petits boulots et après j'ai principalement travaillé dans les assurances. Je suis officiellement installée jeune agriculteur depuis septembre 2017. 6 mai 2006, donc ça marque. 6 mai 2006 avec une jument de sport pour du dressage. Premier poulain pour la jument, premier poulain pour moi et il est toujours là. Alors là, c'était pas pour moi. Parce que je pense que si je suis là au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à un éleveur qui était voisin avec mes grands-parents, qui s'appelait Jean-Vincent, et qui m'a traîné partout avec lui en concours local à Charolles, Blanzy, Saint-Lô au championnat de France. Et donc mes premiers concours, c'était avec lui, j'avais 16 ans. En plat, on va faire local. Père Charles Boudeau, voilà, l'enfant du pays. Et après, en obstacle, ça serait Bertrand Lestrade. Ma dernière acquisition, il y en a eu deux, parce que je les ai achetées en même temps, c'est Vénus Desbordes et Crucina. Nom de là, qui est arrivé par hasard. C'était pas prévu, je ne cherchais pas des talons. L'opportunité s'est présentée et je l'ai saisie. Sur la commune de Volèvre, on est quatre éleveuses en équin. Donc la plus proche, c'est Alexandrine Berger. Nous avons Catherine Boudot et après un élevage en chevaux de dressage, une Finlandaise qui s'appelle Maya Korpivaara. Alors, on va jouer un petit peu le local. On a forcément un attachement pour l'hippodrome de Paray-le-Monial. Et après, bah, Auteuil. Le grand hasard, je cherchais à m'installer depuis déjà pas mal de temps. On est dans un secteur où il est compliqué de trouver du terrain, des fermes. On est vraiment dans le bovin et grâce à un copain boucher qui a su que cette ferme se libérait et voilà. Jean-Vincent qui m'a donné le goût de l'élevage. Et puis Didier Barland qui m'a mis le pied à l'étrier. Ça dépend les matières. Je suis gourmande, salée, les produits de la mer. Je sais pas. J'avance. Ouais, j'ai encore dans 10 ans, j'espère toujours des étalons, j'espère plus d'étalons et voilà, toujours au cœur de l'élevage.